un coup dur pour le pays d'Haïti. Un gros frappe pour moi. Un gros frappe. Parce que si il y a un monde qui est Jovenel Moïse, il relait Michel Joseph Matéli. Après 7 février, c'est pas responsabilité politique que seulement on prend. On a établi sécurité dans le pays de façon générale. Sécurité publique. Côté que bandit, il y aura la prison. Population, la flanelle dans la rue. D'ailleurs, ça fait me songer, l'aime choisi. L'aime choisi. En plus, le monde qui a parlé fort aujourd'hui, c'est eux qui te kon gade manger et qui te kon mande pour te m'pre aller avec paysan ça. On nèg qui comprend qu'ap vend gaz en Haïti ou pap ka camper dans 13 mois pour faire 300 millions de dollars sous le peuple encore. Jamais. On nèg pap ka camper pour prendre l'argent l'état pour ap vend moun blackout pour lui. Jamais. Ou pap ka camper pour l'argent APN qui supposé construit port dans tout pays pour venir dans poche encore. Jamais. Zoe n'a pas l'air, tout n'est pas comme président par Chita-Zouli. Pour y banquer, n'est pas bon menti. Debout, il y a eu Chita-là. Et puis, pour y avoir eu ça, faut pas manger ça. Ça, c'est un beau projet président pour le pays. Parce que le développement de ce pays ne peut pas se faire sans ce projet président. Français qui a parlé, ou Chita-Zouli, c'est ça. Peuple-là même, l'argent peuple-là, n'a même gros nec. Bel, y a acheté. Quand y a acheté Miami Beach, quand y a acheté Paris, quand y a acheté Londres, attendez? Et puis, vous attendez, chaque grain, vous attendez, faites petit, ou bien faites madame, petit bagouette, pipiti, vous pied diamant sous les bagues, vous avez 10 000 dollars. Mais comment? Sous deux, nous. Je ne sais pas si vous avez ni fait qu'un content, ni dit rien tout qui prend nous plus tracaté. Je ne sais pas là sous assassinat président Jovenel Moïse, là, en pile parole commence à parler. Il a mis la communauté internationale là dans tête liste comme monde qui participait dans l'assassinat 58e président pays. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous connectez Sofia TV 83, réseau information. Je fais tout plaisir pour m'informer mes nouvelles là en détail. Cependant, Stanelika, analyste politique, là gagné toute information concernant Saint-Domingue et Colombie à plusieurs autres pays tout qui tabaille participation yo ça qui vaut les soldats à ça qui baille avion pour qui Jean te fait là yo te touye Jovenel nan mois passé yo. Pendant ce temps gagné dans yon tweet Martin Moïse fait connait les prêts pour continuer camper ensemble ak peuple là li dit après 22 mois peuple haïtien a continuer bataille contre assassin président Jovenel Moïse pour joindre justice ak sécurité li dit peuple là réaliser li wè États-Unis ou bien pays étranger ou pas vinn d'elle c'est lui même qui prend destin en main pour continuer bataille il dit tout li pa jam lagen l'a continuer aider ngoumen. Et c'est ça, lui écrit sous compte Twitter pendant 22 mois assassinat Jovenel. ZPT, bois marré, gros nouvelle, Léon Charles n'a problème. Et ceci dernier information, yo fait confirmer Léon Charles doit quitter les États-Unis, rentrer en Haïti, vient expliquer, by détail, point par point, qui ça le connaît dans la mort Jovenel. Et même sous ça, confirmé tout. Léon Charles a tout été dans la pénitentiaire nationale. SOS n'a lancé pour moun orangé. Bandi Kanara yo vle renforcer zone Noudia pour prendre contrôle Sodo. En pile dégâts matériels gèt en fait dans zone orangé hier soir en pile gros causé. Pour l'instant, dans la Tibonite, nous pral tande des Ivenès qui a porté plus explication pour nous concernant base Grand Griffe là. Mais qui te me dit Stanelika qui t'a répondu question guerrier de celle sous assassinat Jovenel, mesdames, messieurs, prêtez l'oreille, portez attention à sa capdia, causez yo en pile. Nous c'est Pigou Réseau, Sofia TV 83, en matière d'information. Songez à abonner ensemble avec nous, partagez vidéo à Claude Zami, plus de détails à continuer vini, l'en poster une prochaine vidéo. Au niveau de blanc, c'est presque le même bagage. Il y a un blanc américain qui est impliqué dans tous les présidents. Et nous avons un procès qui a commencé aujourd'hui à 8 mai. Mais il y a tellement de mascarades que j'ai reporté pour l'année prochaine. Parce que nous connaissons très clair dans blanc participer dans tous les résidents. Soit sur YouTube, vous regardez conversation téléphonique entre l'inspecteur général de la police, Marie-Louise Gauthier, avec le commandant Baléa Dimitri Iran. Marie-Louise Gauthier dit le commandant Baléa, nous recevons l'autre département d'État mal pour le président. Le commandant Baléa répond. Moi, au courant, je contacte tout. Donc, là où. Là où on a dossier Petit Bois. Bon, si j'ai mélangé, yo.
sont pas moyen petit bois, on va comprendre qui j'ai tué le président en 7 juillet. Assassinat président a commencé dans la tentative d'assassinat dans petit bois qui s'est échoué. Donc ça veut dire que. Marie-Louise Gauthier dit par l'autre département d'État pour la grande président. Et dans le même assassinat de petit bois qui était doué fait plan, guerrier, Dieu seul guerrier, al sous compte Twitter John Joel Joseph qui l'a vu. Gardez tweet lui fait le 6 février 2021. John Joel Joseph dit tout lui recevoir l'autre département d'État pour la grande président. FBI pourquoi arrêter personne dans le département d'État qui est impliqué dans le président. L'on a le plus loin encore. Mais que FBI a arrêté aux États-Unis, à Angel Brittel, qui a travaillé pour FBI depuis 2015, mais que ça a dit, si vous n'avez pas joint feu vert, gouvernement américain, vous n'avez pas le tuer président. Donc on est qu'aujourd'hui, en fonction des formations qui sont médias, monsieur dame, ça a le tuer président, tant que président Biden a secrétaire d'État américain, pas au courant. Donc je veux dire, il faut que vous dites nous, qui est dans FBI, qui est dans le département d'État, et qui est sans participer pour tous les présidents de la CAN, soit sous compte et YouTube, Commission Affaires étrangères, Chambre des représentants des États-Unis. Ou avoir un témoignage, ancienne ambassadrice américaine, Pamela White. Ancienne ambassadrice Pamela White, dit devant le Congrès américain, 4 mois avant tous les présidents, le 12 mars 2021, qui ça le dit? Il dit, il faut qu'on mette le président de côté, il faut qu'on remplace le bon premier ministre, lui qui est un bon premier ministre, mais il n'y a pas de là devant tout le monde. Donc je veux dire, non seulement on a cherché réponse à eux, qui est américain qui tue le président Lacan, Dominicain, il y a 4 questions pour répondre, président dominicain. Qui j'en fait quitter le soldat Colombie, passer la Kaili, venir tout le président Lacan. Deuxième question que le président dominicain a pour me répondre. Qui j'en font candidat à la présidence dominicaine, Gonzalo Castillo, Félix Bayavion, pour mener soldats au tuer président Lacaino. Troisième question pour lui répondre. Les Antonio Palacios, Pintouille, président d'un pays d'Haïti, qui côté là, les Saint-Domingue, c'est de Saint-Domingue, la Jamaïque. Qui est de Saint-Domingue? Les derniers bagages que nous besoin. Président colombien, Gustavo Dique, de reconnaître co-responsabilité président Colombie dans tous les 58e président pays d'Haïti. Nous-mêmes, ça nous besoin d'un président Gustavo Petro Colombie, intelligence militaire Colombie, avec direction nationale intelligence Colombie, qui joint nos groupes WhatsApp. Côté soldats Colombie qui tue le président Lacaïno, nous avons communiqué entre eux avant et pendant que nous avons tué le président. Donc, ça nous besoin pour le président colombien en faire pour nous. Pour publier toute information qui est sur le groupe WhatsApp, ça, qui montre à qui est-ce que soldat qui tue le président Lacan nous en contact en Colombie, en République Dominicaine, aux États-Unis et en Haïti. D'accord. Et c'est pour ça, assassin qui n'a pas été l'État là, qui tue le président, je vais faire ça et ouvrir la justice, bien vous mettez le code en bas tête. D'accord. Samuel, vous devez dire deux mots sur Bouakalea. On allez, rapide. Et alors, moi-même, je connais une déformation professionnelle et nous devons essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le pays. C'est pour ça que mon document que j'ai cherché sur Internet, là, les origines du mouvement haïtien Bouakale. Bouakale a calé pour 3 raisons. Première raison, c'est parce que gang a fait violence, atrocité, kidnapping, crime sous peuple depuis 5 ans. Pas une personne qui fait un bouillot. Deuxième raison qui fait Bouakale a fait, c'est parce que chaque fois la justice m'a un gang yo paye juge la guerre. Troisième raison qui fait Bouakale a créé, c'est parce que le peuple a vu autorité de l'État dans gang, premier ministre dans gang, ministre de la justice dans gang, ministre de l'Intérieur dans gang, secrétaire général palais national dans gang. Donc le peuple a vu que si ce n'est pas lui-même qui prend Bouakale en main, il ne va pas aucun côté. C'est pour ça que Bouakale a des dangers. Il y a des opportunités. Danger, il faut que nous isolions. Premier danger, c'est que Dominicain blanc pas venu infiltrer Bouakalea. Il y a le boulon consulat, il y a le boulon ambassade pour créer une intervention militaire. Avec premier danger pour nous isoler. Deuxième danger qui vient dans Bouakalea, c'est que oui, il faut qu'Ariel aille, mais il faut faire attention pour que nous ne gagnions pas l'autre Ariel qui voulait faire coup d'État. Par exemple, plus de gens veulent infiltrer Bouakalea pour faire coup d'État. Madame Maniga veut infiltrer Bouakalea pour faire coup d'État. Aristide voulait infiltrer Bouakalea pour faire coup d'État.
Troisième danger qui vient dans Bois-Caléa, c'est le règlement de compte. On moun gen wagon problème on moun, et puis le gouvernement dans la réalité, gang bandit, et puis arrêté. Il y a opportunité. C'est une grosse opportunité que Bois-Caléa a. C'est pour la première fois depuis 5 ans, la peur a changé de camp. Raison qui fait que Jeff, Iso, Vitel l'homme a fait vidéo pour menacer le peuple là, il y a peut-être Bois-Caléa, il y a un langage technique, communication politique, une psychologie renversée. Ça veut dire que c'est peur, Iso peur, c'est peur, Jeff peur, parce qu'il y a Bois-Caléa brisé sur eux. Donc, je vous dis, c'est comment vous me servez à Bois-Caléa? Son peuple qui révolte contre tout ça au fait pendant 5 ans, qui va nous servir avec lui pour aller vers la démocratie, vers le retour à la sécurité et vers le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pour ça que Bois-Caléa doit augmenter de 500% malgré la réalité. D'accord, merci un peu, bon Lucas. Nous toujours mettez focus en sous tirer la tibounita client court. Bonjour, Désir Vénès. Après un week-end, qui information capable partager avec auditoire Radio Omega sous tirer la tibounita client court? Bonjour Jean-William Sévère, en nous informé auditoire méga sous Tirivière la Tibonite au jour le jour, situation pratiquement venue plus difficile et vit avec l'autre disposition que mon Jean Denis soit prêt pour empêcher mon Tirivière la Tibonite traverser sous zone nan, par rapport avec information que monsieur Coalition ou bien mon Jean Denis t'a fait quoi que ou gagné sous le monde que gang ça vient t'a kidnappé qui t'est sauvé gars la dan yo qui passé par Tirivière la Tibonite que monsieur Grandbrief est arrivé prend pour touyer pour ça à travers un voice qui viral sur réseau yo qui plongeait population rive à Tibonicienne surtout ça qui dans centre-ville là dans profonde peur et yo vinn rivé dans dernier moment que ou pas ca sorti même et pour y aller régler activité yo pendant weekend là monsieur Bazgangrief pas chômé du tout. Yo sorti dans commune à Liancourt, dans zone de Morodoué, yo kidnappé yon camionnette qui était chargé moun qui t'a traversé sur route ça, yo rentré dans base yo dans même weekend là, c'était samedi a, yo sorti sur route Kafoupey et Kafoupey c'est sur route nationale numéro 1 côté yo kidnappé yon minibus qui était gain au moins et 15 moun plus chauffeur à la donne fait 16. Yo rentré dans base yo ak yo et était l'ouvrir coup d'armes sur l'autre machine qui t'a traversé sur route nationale numéro 1 qui pas décidé camper et bien à travers machine ça gain deux monde qui perdu la vie yo pendant opération Bois-Caléa lancé tout partout à travers pays a maintenant la Tibonite c'est plein boulevard pour gangrief continuer avec mode opération yo. Kokourat sans race pendant ces maintenant gain pour pipiti 70 moun nan men yo qui ont kidnappé qui traversé sur qui a traversé sur route nationale numéro 1 en rentrée sud cité indépendance là son situation qui extrêmement triste pour pipiti gagnent et plus que 100 moun qui kidnappé dans département la Tibonite par groupe gang cap opéré yo embagé la police ak autorité qui pratiquement dans département côté population a mandé avec yo même comme responsable pour penser avec situation parce que modèle situation ça pratiquement des jours en jour la vie plus difficile et a découvrir que autorité policière et judiciaire yo plus irresponsable dans sa cap passé a pour quitter population continue victime. Moi c'est Désir Vénès Tirivière la Tibonite c'était Crétin Pierrot pour Radio Méga. Merci un pile Désir Vénès mais et Désir avant aller Désir nous mando ça non ba nous une explication sur mais concernant l'action qui t'a mouri non. Jusqu'à présent, ça y a toujours été dans le cadre de rumeur, mais nous-mêmes, dans la confirmation que nous cherchons, Nixon est toujours vivant, la vacuée avec activité, à moins qu'elle te font accident, motocyclette, les frapper dans la main, mais monsieur Pagé, rien, monsieur vivant. Cependant, c'est presque toute semaine, il y a couru rumeur de sous-chef gang, sous plusieurs chefs qui font partie du groupe gang, tant que il y a couru rumeur sur certains de, Igenstoriston alias Nontrop, il y a couru rumeur d'il mourit tout, monsieur pas gagné, il y a couru rumeur pratiquement sous Dédé, pour faire quoi que monsieur mourit, mais monsieur Pagé, rien, monsieur toujours vivant, il y a fait activité, yo, l'ensemble de rumeurs, ça, c'est des diversions pour et au moins que yo continuer à joindre espace soit pour se faire ou bien pour continuer à terroriser population on a demandé avec moun yo pour prudent avec modèle rumeur ou information c'est là qu'a circuler à travers réseau.
La police t'a mené opération dans base là quoi Péris a été écrasé base là et qui côté au mettez moun yo comment monsieur ça a fait et a là toujours est-ce que si on l'autre côté yo allé Désir Venesse. La police t'a mené opération dans base dans fief Cocorat sans race mais il pas arrêté même yon sourit nan baza, ça veut dire monsieur était tout monsieur toujours là zam était toujours dans mayo et bien yo avancé pour piro dans zone où la croix c'est dans flambon nan que monsieur kidnappé moun yo et y a le serré moun yo qui vin rendre que situation beaucoup plus compliquée chaque fois opération yo tant mais yo pas continuer li vin rendre que les gangs yo tourné yo vin plus puissant et attaquer population avec plusieurs fronts et rendre que moun yo beaucoup plus victimes et population dans département de la Tibonite qui trouve à bas malgré ces bas cap subi plus exactions gang yo et yo vinn rive comprendre y a posé question sur irresponsabilité responsable de, au niveau PNHA surtout là ont lancé tornade 1 après 6 policiers étaient fin mourir en cours jusqu'à présent tornade 1 elle beaucoup jamais et efficace pour jamais rivé et dans département de la Tibonite. D'accord. Merci en pile Désir Venesse. Nous avons toujours été en contact. N'importe qui a des informations, nous connaissons pas hésiter à informer auditoire Radio Omega. Très bien, Jean-Louis Lassévé. À la prochaine. Voilà, c'était Désir Venesse qui t'a ban nos informations sous Ti Rivière la Tibonite. N'a fait un autre campé. Après ça, n'a pas retourné pour nous capable continuer avec information. Girl Blush, the new fragrance. La police a mené opération hier dans ce smart là et gen yon localité monsieur a attaqué moun yo. Avant nous aller dans l'autre rubrique, on nous font tirer non Alkaye avec Pascal Floristin. Nous connaissons là tout focus en mété avec les examens qui passent pour attaquer habitants dans Sousmat là. Nous apprenons la police a mené opération hier dans Sousmat là et gagne une localité monsieur a attaqué Mounio là. Mounio obligé courir al mettre tête au sodo avec Pascal Floristin. Nous parlons plus de détails sur ça. Bonjour Pascal. Et bonjour, Wilner Sever, bonjour tout auditoire Radio Megayo. Wilner Jean-Saud Dian là, et la police hier qui menait une opération dans niveau et localité et sous ce matin là, qui c'est troisième section communale dans commune et cabaret dans opération ça. Donc la police rivé déloger et bandits, donc qui quitté momentanément et sous ce matin là, mais c'est vers problème qui toujours gain après opération et la police pas jamais été et dans zone là à n'importe quel moment et même nek ça capable retourner et prendre localité et sous ce matin là qui occupé depuis et mercredi 19 avril qui sont passé là. Et puis face avec opération la police a mené dans niveau et sous mat là plusieurs bandits qui t'a opéré dans zone là obligé à prendre refuge dans une localité qui est les orangers qui située et dans hauteur et titanien et ça qui la cause nek sa yo samedi et on mettait du feu dans plusieurs écailles moun et donc ça qui est la cause habitation habitants qui situé aux habitations orangia yo obligé courir et quitter caillou yo réfugié yo dans commune Sodo et dans moment que n'a parlé là et Wilner et situation malgré intervention la police mais situation toujours été yon ti jan critique dans niveau et sous mat là et même dans commune Cabaret parce que jodi encore selon toute ambiance que n'a regardé là li possible pour jodi encore et titanien sous mat là avec cabaret et retourner par gain l'école et puis trafic en commun il est toujours paralysé sur national là. Dit yo mettez dans plusieurs cas dans localité Zoangi à Pascal est-ce que yo enregistré perte en vie humaine bon peut-être qu'est-ce qu'on gagne information sur ça même si nous pas jamais ka connaît combien monde qui rive victime chaque fois dans examen attaqué une localité.
Et donc, c'est vers, faut nous dire, zones orangées, majorité moun yote déjà allé, parce que les la police a pas fonté et bandits sous national là, soit sous smat là, ou bien titanien, en pile nan yo, yo prend refuge et nan localité et orangées. Donc, population ça t'est déjà nan courri, yo quitté la caillou, parce que plusieurs là dan yo, yo obligé refuge, j'aime te dire, en sodo, yo façon pour que yo pas de victime. Donc, les nèg armé yo allé, yo mettez du feu dans caillou et heureusement pas de gain moun là, pas de gain pète en ville humaine. A dire nèg sa opposé Zak là et après la police pral faire opération dans sous smat là ou bien c'est avant ça. Donc faut nous dire et c'est vrai depuis pendant toute et ce maintenant la police tapé et toqué et coup de zam avec et nèg et cap opéré dans zone là et bien en pile nan yo t'es obligé aller et orangé yon ti jan qui piwo donc yo t'es obligé aller marron là donc en représailles yo mettez du feu dans kaimoun yo et puis samedi qui se passé à là et puis la police c'est toujours à mener opération et puis hier dimanche là bien bonnet et la police déloger nèg armé sa yo mais faut nous dire présence la police pas arrêté sous ce mat là à n'importe quel moment nèg examen yo capable toujours et faire intervention dans localité sous ce mat là côté déjà pas gen moun rete là moun yo fin quitté yo réfugié dans commune Gabaret et plusieurs milliers déjà dans abri provisoire dans commune Akaye. Merci en pile Pascal Fessil pour toute information sa yo ou tande nèg exam qui attaqué yon localité qui les orangés qui piwo sous ce mat là lorsque nèg exam t'a attaqué moun sa nan sous ce mat là yo t'al prend refuge dans localité orangé ben nèg exam attaqué localité ça mettait difé nan plusieurs cailles nan localité si là Mba gang Izoa la police dominicaine arrêtée qui c'est Yeye ainsi connu la police dominicaine arrêté et arrestation ça fait suite avec une enquête autorité ont mené dans direction régionale nord police nationale dominicaine nan, selon porte-parole direction régionale nord nan, Raphaël Misson. Après ça nous te bon information ça tout sous 5 individus sous 5 dominicains autorité policiers ont arrêté nan détachement BLTS direction centrale police judiciaire qui basé dans l'aéroport n'a procédé vendredi avec interpellation 5 ressortissants dominicains dans l'aéroport international Toussaint Louverture là pendant l'étape prenée dans Bahamas. Yo autorité dominicaine yo tap cherché pour trafic stupéfiant faux ak usage de faux nous rappelé nos 5 ressortissants sa yo gen Ustad Santos Rafael Velez Taveras Lincoln Americo Rivera Bogos Jorge Luis Caceres Vasquez David Flores Cavasco Claudio Ernesto yo extradé yo autorité policière extradé yo hier pour capable rentrer dans pays République Dominicaine. Après ça nous té ban information sous deux employés Sojé Bank qui arrêté pour détournement $132,000 américains c'est Dafkar Saint-Paul et Kathleen Barouchin. Nous sommes ça deux employés ça yo au volet li c'était pour client institution hein. C'est bureau affaires financières et économiques police centrale judiciaire qui était procédé à interpellation de accusé ça yo Dafkar Saint-Paul c'est superviseur caisse tandis que Kathleen Barouchin lui-même lui c'est directrice opération dans Sojé Bank yo accusé vol complicité vol association malfaiteur dans cadre d'une enquête la pour DCPJ était ouvert suite avec diverses plaintes diverses clients victimes étaient déposées en attendant recherche l'autre complice qui était gain temps abandonné Posio. Selon une note police publiée Dafkar Saint-Paul ak Kaine Barouchin yo en garde à vue dans DCPJ pour suite procédure yo avec insécurité gagné animateur sa employé Radio Lumière qui nèg exam na Onaville Eten Soufli pendant week-end nan, an nou ba plus détails sur ça qui est lié depuis combien de temps l'a travaille
dans Radio Lumière, animateur émission Une Voix dans la nuit sur Radio Lumière, Paul Jean-Marie, assassiné dans la nuit vendredi 5 pour le samedi dans Onaville. Bandi Axam assassiné, c'était animateur émission Une Voix dans la nuit qui était passé sur Radio Lumière. Radio Lumière 97.7 stéréo annoncé avec peine triste nouvelle. Assassinat, yon grand supporter et puis ami bandit dans Onaville entré la Kali Touyel d'après sa responsable Radio Lumière écrit sous page Facebook yo. Radio Lumière souhaite courage à madame ni petit yo et puis tout le monde qui a affligé à cause des pas aussi là. L'autre dossier dans le journal là, réaction toujours sous mouvement Bois-Calé, sa population lancée. Gagne secteur démocratique et populaire qui n'est opposition qui croit yo pas qu'à condamner phénomène Bois-Calé qui rentre dans décapité passé en bas d'ifé bandi yo. Telon Ro Remilus dit il comprend une position population qui gagne longtemps souffri en bas certains jeunes garçons ak femme jeunes garçons ak zam youn porte-voix SDP à quoi Bois-Calé a deux jeunes si la yo ka financer gang yo ak autorité qui pas prend responsabilité yo en coûté Telon Remilus qui était dans cour mardi samedi. Moun sa yo majorité nan yo ki responsable baga tête calé ça Bois calé ça peuple la ka passé bandi moun fou yo alors des bandi exécutants que moun rele moun fou mais fou comment comprendre pour accepter yo groupe vagabond bonzam pour tout qui est des moun côté levé nan même quartier populaire avec nous à l'école ensemble n'a pas dominé ensemble n'a pas petit gog nous ensemble jodi a c'est zam kokwa pa blou là on m'ta mande ça on fait bon mais ou pas ka répondre ça on fait pour qui ça pour satisfaire des vrais bandits qui pas ici qui viennent dans le pays avec ses sapates et qui prennent économie pays en otage qui occupent 15% de richesse pays et mouvement Bois-Calé pas aucun monde qui a bon sens pour plaisir là-dedans mais pas non pas pour plaisir là-dedans dans tout ou pas qu'à condamner tout pour t'en condamner faut qu'à battre peuple la justice ou même c'est pas qu'à battre peuple la justice m'a qu'à empêcher le chercher justice ma tête malgré me dire que ça pas qu'à faire plaisir comme professeur comme pasteur qui a prêché l'évangile tout l'aime garder mon nègre à bé en bas caoutchou pour les juges au pam m'a maudit m'a béni mais pas oublier l'on garde ouin y'a un bandi moun fou au bandi exécutant à boule bas caoutchou ça t'a dû faire mal mais l'on garde ouin moun sa ka boule bas caoutchou ou pas qu'on est combien l'autre moun qui mène l'issue de boule bas caoutchou ça veut dire que ka grave puisque ka grave moi me le effet on a des causes là et moi pense que Bois-Calé ça li ta doué li pas de seulement rester sous sa noue les bandits nous qui de fait ces bandits mais des bandits exécutants oui mais faut aller tout sous monde qui a bazam faut aller tout sous monde qui a ba munition faut aller tout sous dirigeant qui prend cop taxe sous nos peuple là et que cop taxe ça au lieu pour ta retourner jouer le peuple là sous forme de service. Yo préféré utiliser comme ça pour payer bandits exécutants. Voilà, on t'a écouté Telon Remilus qui c'est une responsable secteur démocratique et populaire qui n'est opposition qui croit pas qu'à condamner phénomène Bois-Calé qui entré dans décapité passé en bas d'ifé bandits yo. Telon Remilus dit comprendre position population qui gagne longtemps souffri en bas certains jeunes garçons exam une porte-voix SDP a quoi Bois-Calé a deux agents si là yo qui financer gang yo à autorité qui pas prendre responsabilité yo. De l'autre côté, professeur Remilus, bah, premier ministre Ariel Henry, responsable. Situation, c'est à cause des pas de jamba, importance, Zach Bandio, cap théorisé, population, hein. Porte-voix SDP allongé de l'île sous chef gouvernement, ancien chef Binion, Hélène Lalime, qui contribuait dans mes pays, hein. Dans situation liée, journée, jeudi, hein. En écoutant l'autre fois, Telon Remilus, toujours dans le micro, mané, samedi. Principal responsable, là, l'île Ariel Henry. Ariel Henry, qui c'est non seulement président et premier ministre, et gardez pour elle. Tout le bandit exécutant, t'as boulé moun, t'as décapité moun, t'as lâché moun, il va j'en parler. En chaque fois, quand chaque mourir dans le pays, Ariel fait tweet. Mais Ariel pas j'en fait tweet, pour condamner les kidnappings dans le pays d'Haïti. Il pas j'en fait tweet pour condamner moun qui a mouru et pas caoutchouc. Il pas j'en fait tweet pour condamner moun. Ariel pas j'en fait tweet, mais je dis Ariel fait tweet. Comme nous même pas étonné pour Ariel, ta zami chef gangou. Bonne pour ça? Qui moun qui mette gangou là ici, c'est madame Lalime? Qui est-ce qui fait les c'est madame Lalime? On nous dit, puisque c'est madame Lalime.
qui mette Gangyo, c'est Madame Lalime qui mette Ariel. Ariel avec Gangyo, yo gen même patron, yo gen même maître. C'est normal pour cette affaire Ariel mal lorsque liwe chef gang exécuteur liwe et bandit exécuteur en bas caoutchouc. C'est normal pour cette affaire mal.